Grand prix artistique de la Fondation Simone et Sino del Duca. Le grand prix artistique de cette fondation est doté de 100 000 euros. Il récompense la carrière d'un artiste de dimension internationale et est aujourd'hui remis au compositeur new-yorkais Steve Reich, qui n'a pas pu se joindre à nous. Il sera représenté par son agent, Madame Janice Suskin. Et Monsieur Thierry Escaich, compositeur et membre de l'Académie des Beaux-Arts, est chargé de la présentation du lauréat. Merci. Donc la section de composition musicale a souhaité attribuer cette année ce prix à Steve Reich, compositeur mondialement reconnu depuis plusieurs décennies et qui a su construire une œuvre avec détermination et intégrité, privilégiant souvent le renouvellement et la diversité de sa production musicale à la quantité. Ainsi, lui doit-on à ce jour pas plus d'une cinquantaine de pièces, allant de l'instrument solo à l'opéra en passant par l'écriture pour bandes magnétiques ou des œuvres multimédia associant souvent la vidéo. Il incarne mieux que tout autre une voix ouverte à la fin des années 60 par le minimalisme, voix qui continue d'irriguer une part importante de la création musicale contemporaine. Alors il est né en 1936 à New York et dès le début, il manifeste un intérêt pour différents domaines, comme celui de la philosophie, mais aussi les recherches sur le langage, avec une prédilection pour les travaux de Leonard Bernstein, par exemple. Tout cela, évidemment, en contrepoint d'études de piano et surtout de percussion à la Juilliard School de New York, formation déterminante quand on sait l'importance du rythme, de la pulsation, même du swing dans cette musique. Mais dès le début, des personnalités aussi fortes qu'un Luciano Berio, par exemple, avec qui il étudiera la composition, n'arriveront pas à lui faire partager les codes de l'avant-garde post-sérielle de l'époque. Et c'est plutôt dans le renouvellement du système tonal et une immersion constante dans d'autres univers musicaux qu'il se forgera sa propre personnalité créatrice. Ainsi se lancera-t-il dans des recherches poussées sur les musiques africaines. Il participera lui-même comme un percussionniste dans des groupes d'improvisation de jazz, dont de la musique indonésienne avec la découverte du gamelan, essayant aussi de retrouver les harmonies de jazz d'un John Coltrane qu'il ne cessera jamais d'admirer. De ce matériau complètement hétérogène naîtront les premières œuvres en 1965 pour bande magnétique du compositeur qui s'appelait It's Gonna Rain, qui laisse déjà percevoir un style aussi particulier que personnel, appelé à venir revivifier le paysage musical de l'époque. Mais c'est surtout grâce à la création de son propre ensemble, Steve Reich and Musicians, qu'il pourra propulser des œuvres pour percussion comme Drumming en 1971 sur le plan international. Ces tournées lui assureront une renommée qui ne sera plus démentie jusqu'à aujourd'hui. Il collaborera dès le début avec les autres chantres des musiques répétitives bien connues comme Philip Glass ou Terry Riley, dont il participera à la création d'ailleurs pour ce dernier de la pièce In C, en tenant lui-même la partie de piano, cette œuvre étant pratiquement une sorte de manifeste de la musique répétitive américaine. Suivront des œuvres comme Music for 18 Musicians en 76, une magnifique pièce Desert Music où le chœur est utilisé aussi comme une sorte d'orchestre lui-même, ou encore Different Trends en 88, symptomatique de cette écriture pulsée, souvent basée sur le principe du phasing, vous lancez deux trains à des différences de vitesse et les interactions entre ces deux rythmes donnent des déphasages, et c'est un peu la source de sa musique rythmique, mais aussi sur des canons multiples, des échos, qui prennent leur source souvent aussi bien dans le jazz, on l'a dit, mais que dans la musique, par exemple, du médiéval, d'un Perrotin, ou de la musique aussi, telle que nous a offerte le chœur de, tout à l'heure de la maîtrise de Notre-Dame, magnifiquement, des motets de la Renaissance. Mais ce chantre de la musique répétitive, n'ayant qu'une crainte, c'est celle de se répéter, justement, il fut le premier à cerner les limites de son propre système d'écriture, et c'est alors qu'au détour d'un questionnement profond sur sa judaïté, sur la question religieuse plus globalement, il explore intensément la vocalité, le rapport au texte, texte biblique souvent, et cela donnera naissance à deux opéras, The Cave en 90 et Three Tales en 2002, dans lesquels ses réflexions sur l'Ancien Testament cohabitent avec celles sur les avancées technologiques
de la fin du XXe siècle. Si les critiques furent souvent acerbes au début des années 70, et en France on s'en est donné à cœur joie, la musique de Steve Reich, récompensée par de nombreux prix comme le prix Pulitzer ou le prix Nemers pour la composition, a su s'imposer et rentrer au répertoire aussi bien d'ensemble comme l'ensemble intercontemporain ou l'ensemble moderne, tout en trouvant un public aux frontières de divers genres musicaux, même quelquefois de la pop. Pour cette diversité, pour ces nouveaux publics conquis et cette obstination, il ne peut être que récompensé aujourd'hui. Merci, chers confrères. Nous allons faire un petit tour à New York. Je l'espère. Well, I'm a composer. Je suis un compositeur depuis maintenant plus de 60 ans. Parmi mes œuvres devenues célèbres, on trouve des œuvres de déphasage. It's Gonna Rain et Come Out, un long morceau, Drumming, un autre morceau très connu, Music for 18 Musicians, puis Tehillim, un recueil de psaumes, et enfin une œuvre clin d'œil à mon enfance, Different Trains. La façon dont je compose n'a rien d'extraordinaire. J'ai commencé au crayon et au papier à musique, et 60 ans plus tard, je suis toujours au crayon et au papier à musique. Je passe ensuite au clavier, principalement pour travailler les harmonies. Pendant longtemps, jusque dans les années 80, je m'enregistrais avec tel ou tel instrument, et je jouais ensuite d'un autre instrument en même temps que l'enregistrement. Et puis dans les années 80, les ordinateurs sont arrivés. J'ai eu un Macintosh, comme beaucoup de musiciens. Et aujourd'hui, mes principaux outils de travail sont encore le papier à musique, le crayon, le clavier et l'ordinateur portable. Ce grand prix me sera extrêmement utile. Pendant 40 ans, j'ai beaucoup voyagé avec mon ensemble, le Steve Reich and Musicians. Et les représentations publiques ont constitué, outre d'autres sources de revenus, une importante part de mon activité. Mais à 70 ans, il y a 12 ans, j'ai senti que cet ensemble était devenu trop lourd à porter pour moi, et ce, malgré les personnes qui m'aidaient. J'ai donc levé le pied. Je continue à jouer de temps en temps avec eux, je les accompagne, je leur donne quelques conseils, plus vite, moins vite. Cela a duré une dizaine d'années, mais aujourd'hui, je sens que je n'ai plus la forme physique pour pouvoir continuer à travailler à l'étranger. Les conséquences financières n'ont pas tardé à se faire sentir, puisque cela me privait d'une partie de mes revenus. Cette somme me permettra donc de compenser ces pertes. Je suis très honoré et je remercie l'Institut de France et la Fondation Simone et Chino del Duca pour leur grande générosité. En l'absence de Steve Reich, je demande à Mme Janice Skin, qu'il représente, de monter à la tribune.